Bonjour à tous, comment allez-vous? Je parle doucement, vous savez, les voisins, ça va commencer à s'énerver. 5 heures cette nuit, les amis, vous avez dormi 5 heures puisque vous avez regardé le lancement de Rocket Lab hier soir et maintenant vous êtes là pour le décollage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX qui lancera l'observatoire spatial IXPE, conçu pour mesurer la polarisation des rayons X cosmiques. Le décollage est prévu à 7h du matin, heure de Paris, depuis le LC-39A du Centre spatial Kennedy en Floride aux États-Unis. Destination orbite terrestre basse. La météo est actuellement au quai à 90%. Hier, on était à 80%, comme vous pouvez le voir, à cause de nuages en haute altitude, de risque d'éclair, voilà, un petit peu de brouille avec la météo. Les nuages sont partis, on est passé à 90%. Tout est bon. Pour le décollage, le go-no-go a été effectué par SpaceX et on est go pour le décollage dans 27 minutes. Alors le XPE, c'est quoi? C'est le Imaging X-ray Polarimetry Explorer, qui est donc un futur observatoire spatial avec trois télescopes identiques conçus pour mesurer la polarisation des rayons X cosmiques, les amis. La mission qui étudiera donc des objets astronomiques exotiques et permettra de cartographier les champs magnétiques des trous noirs, des étoiles à neutrons, des pulsars, des restes de supernovas, des magnétars, des quasars et des noyaux galactiques actifs. Le rayonnement X à haute énergie provenant de l'environnement environnant du coup de ces objets peut être polarisé et vibrer dans une direction particulière. L'étude de la polarisation des rayons X permet quoi? Écoutez, ça révèle la physique de ces objets et peut fournir des informations sur les environnements à haute température où ils sont créés. En gros, pour résumer, on va essayer de comprendre un petit peu mieux l'univers. Alors, à quoi ressemble cet XPE? Est-ce que j'ai une petite photo, une petite vue d'artiste, voilà, du satellite XPE, mission du programme Explorer de l'agence spatiale américaine, à laquelle contribue également l'agence spatiale italienne. Le satellite fait... alors, on trouve des chiffres entre 170 et 300 kilos. Je pense que c'est plutôt autour, voilà, des 170 kilos. Le prix de lancement aujourd'hui, 50 millions de dollars depuis une Falcon 9 que vous connaissez. Une Falcon 9 qui a la particularité de pouvoir récupérer son premier étage. On va en parler. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Et puis, on va parler de la Falcon 9. On va parler plus en détail de cette mission IXPE. Qu'est-ce qu'on va essayer de répondre comme question avec cet outil-là? C'est un outil de science, les amis. C'est parti pour la science ce matin. Qui est réveillé ce matin? Les modérateurs sont réveillés. Créafolies est là. Renix est là. Renix qui n'est pas en train de couper du bois a priori aujourd'hui. Carcebel est là. J'espère que vous allez bien. Et on a aussi les sponsors qui financent la chaîne, Fabien, Yvon, en vert dans le chat, Jafrezi Kawan, David DeWolf, Greg McAuley, Pierre-Michel, SK sont parmi nous. J'espère que vous allez bien. Et les viewers qui se sont réveillés ce matin, World of Artstyle, Subotai, Charlotte BD, qui nous dit coucou, il faut un petit live avant de partir soigner mes patients. Et bah, bonne chance avec les patients. Tech Imprime 3D, Stéphane Lefebvre, coucou de Belgique, dur dur. Ce matin, World of Artstyle, Fred 21802, Astropassion, Yann Romero, Brian Starship, Manu Formine est parmi nous. Bien le bonjour, UFO, petite nuit, on va prendre plein les oreilles dans 25 minutes, ça va réveiller. Ouais, après on pourra partir au travail ou à l'école. Salut Muriel Lavigne, Louis Gérardi, Sandra Jaillet, Denis M, Kounor, j'espère que vous allez bien. Que vous dire de plus aujourd'hui? Merci Jafrezi Karwan pour ton don
de qualité. Je vois qu'on n'est que 173 ce matin, 179. Ça se réveille gentiment pour cette mission. Mission donc qui sera envoyée par une Falcon 9, comme je disais, hein, vous savez, 70 mètres de haut, 3,6 mètres de diamètre, 538 tonnes au décollage, 2 étages. Propulsé par le premier étage 9 moteurs Merlin 1D et le deuxième étage par un moteur Merlin 1D spécialement fait pour fonctionner dans le vide. Les ergols, carburant, RP1, kérosène spécialement raffiné pour l'industrie spatiale, vous le savez, et l'oxygène liquide. Les moteurs étant allumés en mélangeant du triéthyle aluminium et du triéthyle borane qui sont hypergoliques, c'est-à-dire qu'ils s'enflamment spontanément en rentrant en contact. Et c'est la raison pour laquelle on voit toujours une petite flamme verte lorsqu'un moteur Merlin est allumé. Aujourd'hui, notre booster, je vous le disais, cette particularité de SpaceX, récupération du premier étage B1061 aujourd'hui. C'est qui B1061? C'est le cinquième vol de B1061 aujourd'hui. Il a fait notamment Crew 1, Crew 2, SXM-8 et CRS-23 Commercial Launch Flight Services, une mission à destination. Donc il a déjà fait 3 missions à destination de l'ISS et il sera récupéré à 620 km de son point de départ dans l'océan par la barge Just Read the Instruction. Lisez juste les instructions. 131e lancement de Falcon 9, 73e vol de Falcon 9 avec un booster déjà utilisé en vol. Ce sera le 97e atterrissage d'un booster, 28e lancement pour SpaceX en 2021 qui continue à battre son record de 26 de 2020 dépassé. Il devrait y en avoir 29 vols. Je crois qu'il y a encore un lancement en direction de la Station Spatiale Internationale, un lancement de ravitaillement justement. 76e lancement de SpaceX depuis le SLC-40. Pas du tout, puisqu'en fait, on n'est pas au SLC-40, mais au LC-39A. Pardon, les amis. 128e tentative de lancement orbital de 2021 pour l'humanité. 128 lancements en 2021. Alors, ce satellite doit aller à une altitude de 540 km à... sur une orbite terrestre basse équatoriale. Il a une inclinaison orbitale de 0 degré, on compte depuis l'équateur. Le contrôle de la mission est assuré par le laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de l'université du Colorado. Attendez, est-ce que moi je parle, mais non, je vérifiais si SpaceX avait commencé son live. Les données donc, que le télescope va recevoir sont collectées par la station de Malindi qui est survolée 15 fois par jour et une fois en orbite. Alors attendez, je vais vous montrer à quoi ressemble le satellite dans son petit détail. Voilà à quoi ressemble le satellite dans son détail. Est-ce que je peux enlever la météo en dessous? Voilà. Là, on est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, une fois en orbite, donc vous voyez le détail du satellite. Alors moi, je ne le vois pas. Attendez, je suis en trop petit là. Donc vous avez des détecteurs, un viseur d'étoiles, un mécanisme d'inclinaison utilisé pour corriger la géométrie de la baume au moment du déploiement, un mât déployable. Donc ce mât déployable sera déployé, du coup, c'est lui qui porte la partie optique, ainsi que le bouclier à rayon X que vous voyez également sur le schéma. Les opérations scientifiques, elles devraient débuter après une phase de contrôle, hein, comme d'habitude, contrôle, étalonnage des instruments qui devraient durer 4 semaines. Et puis ensuite, le télescope fera son travail. Il va viser des cibles et ces cibles, il pourra les viser durant une fenêtre de 60 jours. Et il pourra les viser pendant 56,7 minutes de manière continue durant chaque orbite. Et la mission... la durée de la mission primaire pardon, est de 2 ans. On verra si le télescope tient plus longtemps, mais en tout cas le télescope est prévu pour 2 années de travail. Du coup, pour vraiment les gens qui veulent des détails, IXPE, il dispose d'un détecteur qui mesure la polarisation des rayonnements émis. Le détecteur a été mis au point par les équipes italiennes. Il est absent des télescopes à rayons X récents et il devrait nous permettre de mieux comprendre la structure des objets émettant le rayonnement X. Alors, du coup, les principaux objectifs, c'est quoi? C'est d'améliorer notre compréhension des processus physiques qui produisent des rayons X
à proximité de ces objets un peu particuliers, là, des objets très compacts, comme les étoiles à neutrons et les trous noirs dont vous avez tous entendu parler. Et le but, c'est d'étudier en fait la physique associée aux effets de la gravité, de l'énergie, des champs magnétiques sur des grandeurs extrêmes, comme c'est le cas dans ces objets. Quelques questions à répondre pour XPE. Dans l'astrophysique des hautes énergies, hein, c'est quand même un domaine bien particulier. Qu'est-ce que c'est que la vitesse de rotation d'un trou noir? Quelle est la géométrie et l'intensité du champ magnétique d'un magnétar? Est-ce que notre centre de galactique, dans un passé récent, a été une galaxie active? Quelle est la structure du champ magnétique dans les sources de synchrotrons de rayons X? Et quelles sont les géométries et les origines des rayons X émis par les pulsars? Voilà! Ça fait du bien au petit déjeuner de se poser des questions aussi existentielles que se posent uniquement les astrophysiciens des hautes énergies. Ils vont kiffer ce qui va se passer aujourd'hui avec le lancement de ce XPE qui interviendra, le déploiement du satellite interviendra à 33 minutes après le décollage qui aura donc lieu à 7h du matin si vous venez de nous rejoindre, heure de Paris, donc d'ici 17 minutes. Ah, on me dit le live de SpaceX est lancé. C'est parti. Alors pour l'instant, on est. Hop. Pour l'instant, on est plutôt sur l'image que sur le live et la mission. SkyMax qui me dit arrête, mes neurones ne suivent plus. C'est vrai qu'on voit très peu d'instruments. On voit plutôt des satellites et on arrive très bien à comprendre à quoi servent les satellites, surtout d'observation de la Terre. Dès qu'on parle d'instruments scientifiques, et notamment dans l'astrophysique des hautes énergies, tout de suite c'est un petit peu plus compliqué à 7h du matin. Mais voilà, au moins vous savez quelles sont les questions existentielles que se posent ces astrophysiciens des hautes énergies le matin au petit-déj, pendant que nous, on pense à savoir si on a payé la facture EDF ou pas. Voilà, eux, il faut savoir comment va se passer, qu'est-ce que la vitesse de rotation d'un trou noir. Ce sont des questions essentielles pour la compréhension de l'univers. Et ensuite, on ira lire ça dans des revues de vulgarisation scientifique et ça ira très bien. Mais on fait de la science fondamentale, c'est toujours intéressant de savoir comment est constitué l'univers, comment l'expliquer de plus en plus. On va de plus en plus loin dans notre compréhension des rouages de cet univers exceptionnel qui abrite l'humanité, qui va bientôt aller sur Mars, normalement, on l'espère, on croise les doigts. Et la Lune juste avant, bien sûr. Bonjour depuis Genève, Bryas Rodriguez, au top, une vidéo de qualité du Phonic Geek pour le petit-déj. Bon petit-déj à tous. Bon petit-déj à tous. Genève, tu es vraiment pas très loin de chez moi. War Unicorn qui dit je vais finir mon cocktail. War Unicorn, il est déjà au cocktail. Pour ceux qui se posent des questions sur toutes ces questions d'astrophysique un peu fondamentales, je vois qu'il y en a plein qui disent c'est dur pour le matin. Moi, je vous conseille une émission qui est sympa qui s'appelle Genius avec Stephen Hawking. Hein, vous connaissez Stephen Hawking, vous avez au moins entendu son nom et au moins vu sa tête. Vous savez, c'est celui qui a une maladie. Je sais plus quelle maladie il a, mais en gros, il est en chaise roulante, il peut pas du tout bouger et il parle avec un appareil qui lui permet de communiquer avec une voix de robot. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Voilà, il a fait une émission qui s'appelle Genius, qui est dispo. J'espère pas me tromper, mais sur Disney+, je crois, et qui est intéressante, qui permet de comprendre beaucoup de concepts. Alors pas ceux-là, mais qui permettent de comprendre beaucoup de concepts. Et ils ont fait une nouvelle série sur les trous noirs. Alors, je ne sais plus qui l'a fait, mais qui est très intéressante. Et on suit en fait des mathématiciens, des physiciens qui se posent la question de savoir. En gros, toute l'énergie, c'est de l'information. Quand on passe dans un trou noir, elle disparaît. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et du coup, ils essayent de décoder
l'horizon d'un trou noir. Vous allez voir, c'est super intéressant, même si ça fait appel à des concepts un peu complexes. Ils arrivent bien à vulgariser. C'est aussi une autre émission intéressante. Enfin, je vous la retrouve. En tout cas, Genius, ça permet de couvrir pas mal de concepts de l'univers avec des exemples un peu concrets et sympas à regarder. Notamment, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas revenir dans le passé? On explique tout ça et c'est assez sympathique avec des exemples concrets. En gros, le principe de l'émission, c'est de prendre trois personnes qui n'y connaissent rien, hein, comme vous et moi finalement, enfin, peut-être des spécialistes dans le chat, et puis de les confronter à des questions. Par exemple, la première émission, je crois, c'est est-ce que la Terre est plate ou est-ce qu'elle est ronde? Et en fait, de le prouver avec une expérience pour que vraiment tu puisses le ressentir un peu avec tes yeux, etc. Donc c'est vachement pas mal. Et devant nous avons la magnifique Falcon 9 de SpaceX. Donnez une note sur 10 à cette Falcon 9 dans le chat, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Falcon 9, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui va lancer l'observatoire spatial XPE, conçu pour mesurer la polarisation des rayons X cosmiques, on vient d'en parler, pour répondre à des questions assez fondamentales sur l'univers. Décollage prévu dans 14 minutes 54 secondes en direction de l'orbite terrestre basse sur une orbite équatoriale à 0 degré. La météo est OK à 90% et SpaceX est en train de remplir la fusée avec du RP1, du kérosène et de l'oxygène liquide que vous voyez, qui est en train de refroidir l'extérieur du réservoir ici et qui fait de la condensation car l'oxygène liquide est très très froid. 10 sur 10 sur la Falcon 9. Et le premier étage qui reviendra sur Just Read the Instruction, la barge qui l'attend patiemment à 620 km de là. Du pas de tir LC-39A du Centre Spatial Kennedy en Floride, aux États-Unis. That means that the satellite will fly into an orbit that goes along the equator. Rocco de la Torre, bonjour Ufotinique de la part du non-voyant de Belgique. Toujours agréable de vous écouter. Bonne émission et à bientôt. Eh bien, salut Rocco de la Torre, j'espère que tu vas bien. Pauvre Rocco qui ne fait qu'entendre ma voix. Big up à toi. Donc, effectivement, la mission qui va durer à peu près 33 minutes avec un deuxième allumage du moteur à 28 et plus 28 minutes pour faire une orbite circulaire autour de l'équateur. Ici, vous avez la coiffe devant vous. La coiffe qui protège l'observatoire XPE pendant la montée. Et les coiffes qui sont récupérées aussi, qui redescendent sous parachute et qui sont récupérées par les bateaux Doug aujourd'hui, qui va récupérer les coiffes dans l'océan. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, déjà bienvenue. Vous êtes bien sur le lancement d'une Falcon 9 de SpaceX qui lancera l'observatoire spatial XPE. Un observatoire qui va mesurer les rayons X d'objets un peu particuliers, d'objets exotiques, comme ils disent. Les trous noirs, les étoiles à neutrons, les pulsars, les supernovas, les magnétars, les quasars,
et les noyaux galactiques actifs. On va étudier le rayonnement X à haute énergie qui sont produits dans ces environnements-là. David DeWolkin dit, petite question, tiennent-ils aussi compte de l'état de la mer pour la récupération, pour le lancement? Est-ce qu'ils peuvent annuler à cause d'un problème météo pour la récupération? Et la réponse est oui. La réponse est oui, il faut que la météo soit aussi OK sur la zone de récupération, notamment du booster. When it will complete, and liquid oxygen loading is loading on both the first and second stages, and causing that. Combien est facturé ce lancement? Ce lancement aurait été facturé 50 millions de dollars. Question de erratique. Salut Johnny Coton. We'll also need an igniter to burn that fuel and oxidizer, and for that we use a chemical called TTEB that stands for triethyl aluminum and triethyl borane. When it combines, it produces a characteristic green. Donc là, il nous reparle du système d'allumage des moteurs Raptor, hein, qui sont mélangés. En fait, il faut un système d'allumage puisque le RP1 et l'oxygène liquide, quand ils se mélangent, ne s'embrassent pas. Et donc, on utilise des ergols qu'on appelle hypergoliques, c'est-à-dire qu'ils s'enflamment spontanément en rentrant en contact. Et sur la Falcon 9, c'est du triéthylaluminium et du triéthylborane qui s'enflamme dès qu'ils rentrent en contact, ce qui permet d'allumer les moteurs Raptor et ils font une flamme verte assez caractéristique au moment de l'allumage des moteurs Merlin. Listening to the loops, and we aren't tracking any significant issues that we expect us that would expect us to hold. J'ai dit Raptor, c'est bien des moteurs Merlin, hein, si j'ai dit Raptor. Bon, je sais pas si j'ai dit Raptor, mais Yann pose la question, est-ce que c'est Raptor ou Merlin? Ce sont des moteurs Merlin, les moteurs Raptor étant pour le Starship de SpaceX. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais SpaceX a récupéré le booster B5 et l'a mis à la retraite avant le lancement. Donc c'est B4 qui a priori fera le vol de S20, donc le plus ancien, puisque SpaceX n'a pas assez de moteurs, n'arrive pas assez à produire assez de moteurs pour B5, pour le booster 5. Elon Musk se plaint de la rapidité à construire des moteurs. Et donc j'ai l'impression qu'ils vont partir sur les moteurs Raptor V2 qui sont simplifiés. On verra ce qui se passe à Boca Chica dans les jours à venir. The transiting exoplanet survey satellite launched in 2018 and Jason 3, which launched in 2016. But our payload tonight is a collaboration between NASA's Marshall Space Flight Center, the Italian Space Agency, voilà. And Ball Aerospace. Voilà le télescope qui va être déployé aujourd'hui. Enfin, le IXPE. Donc, vous voyez, il y a son bras qui va se déployer après sa mise en orbite. Les outils d'observation sont ici, ces trois télescopes identiques qui sont faits pour détecter les rayons X. Ah bon, on va avoir des belles photos de notre univers adoré. Donc c'est une mission, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, du programme Explorer de l'agence spatiale américaine, à laquelle contribue également l'agence spatiale italienne. Donc on va utiliser les rayons X des objets extrêmes de l'univers. On en a parlé pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Donc on va améliorer notre compréhension des processus physiques qui produisent des rayons X à proximité des objets contacts ou des objets comme on vient de voir, voilà, et quand il y a eu des grosses catastrophes dans l'univers, des impacts, on va étudier ces objets, les étoiles à neutrons, les trous noirs, les champs magnétiques,
Les pulsars. Donc normalement le rayonnement X est plein dans plein de directions différentes, mais le rayonnement X polarisé est concentré comme on vient de le voir. Donc en fait, on nous explique que les lentilles polarisées empêchent donc quand le rayon de lumière atteint l'eau, il devient horizontal et les lentilles polarisées filtrent ces ondes de lumière horizontales. Merci Greg Macaulay qui nous dit merci pour tes infos toujours passionnantes et au soutien à ta chaîne. Qui j'espère continuera à nous faire rêver de Belgique, Liège, Beauvais. Bonne journée à vous tous. Merci à toi pour le soutien et le don de qualité, Greg. Donc ici, on a un détecteur à l'arrière. Qui analyse la lumière reçue. Donc ça, c'est les Italiens qui l'ont fait. Donc la mission qui durera 2 ans. Donc on va étudier l'explosion des supernovas. Les trous noirs au centre des galaxies. Ah, donc la fusée décollera un peu après 7 heures. Ah, mais je suis pas en direct. Oh, c'est quoi ce bordel? Oh là là, heureusement que j'ai vu. Je sais pas pourquoi. Mon direct, il a sauté. C'est pas grave, on a témoin 1 minute. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est parti pour le lancement Falcon 9 SpaceX de l'observatoire IXPE dont on vient de parler, conçu pour mesurer la polarisation des rayons X cosmiques. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser les petits pouces bleus en bas de la vidéo, les amis, c'est gratuit. L'abonnement qui vous permettra de recevoir des notifications avant les lancements. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Go Falcon. Et c'est parti! Vehicle is pitching downrange. Nominal first stage chamber pressures. Le véhicule va passer la vitesse du son. T plus 40 seconds into flight, successful liftoff of the Falcon 9 from Launch Complex 39A at the Kennedy Space Center. We're carrying the IXPE satellite into an equatorial orbit, and we just throttled down the 9 Merlin 1D engines in preparation for the next event. Diminution de la puissance de la poussée pour passer max Q, la pression aérodynamique maximale sur le lanceur. Vehicle is supersonic. Le véhicule est supersonique. Max Q.
On passe max Q. With that, we are through the highest stresses on the vehicle from the combination of our increasing velocity and the decreasing atmospheric density. Coming up next, the next event in about a minute diminue maintenant, la densité de l'atmosphère diminue. Ce qui permet de diminuer les contraintes aérodynamiques sur le lanceur. For the next event, stage separation, the first and second stages will separate, and then at about T plus 2 minutes 44 seconds, we'll have SES1, or second engine start number one. That's where the Merlin vacuum engine on the second stage will ignite to carry the second stage and the IXPE payload into orbit. So again, those three events coming up in succession. MECO, main engine cutoff, followed by stage separation. Donc, le prochain événement qui aura lieu, c'est MECO, la coupure de l'étage principal. Et tout de suite après, on aura la séparation du premier et du deuxième étage. Donc, MECO, tout de suite après, séparation des deux étages et allumage du deuxième étage. C'est confirmation de la séparation des deux étages. À gauche, le premier étage. Vous êtes dans le premier étage. À droite, allumage du deuxième étage. Premier étage à gauche qui va revenir sur la barge. Just read the instruction. The second stage on the right hand side of your screen, we've got a shot of the Merlin vacuum engine glowing. As it continues its ignition to carry XP into... On a le premier étage qui est éclairé, je pense, par la lumière du deuxième étage. Ça y est, voilà, il est plus éclairé. On voit les lumières de la Floride. Déploiement de la coiffe, éjection de la coiffe. Flying for this mission. Fairing separation confirmed. On est à l'intérieur, voilà, hop, de la coiffe, coiffe qui vient de s'ouvrir. Et maintenant, le satellite est exposé au vide de l'espace. Le deuxième étage qui va atteindre les 10 000 km/h et on a une altitude de 126 km d'altitude. Le premier étage qui, lui, commence à ralentir, il est à 115 km d'altitude et la gravité faisant son effet, il va revenir sur Terre à 620 km de son point de départ pour atterrir sur la barge Just Read the Instruction. Acquisition of signal for MENA. On your screen is a view of the Merlin vacuum engine on the second stage. It's completing its first of two planned burns to take the XP satellite. Donc aujourd'hui, le moteur Merlin du deuxième étage sera allumé deux fois. Donc là, c'est son premier allumage. At 1 a.m. Eastern time, the first stage that carried the second stage this far. Le premier étage devrait revenir à T plus 6 minutes 19. Aujourd'hui, on part sur une orbite équatoriale, donc circulaire. Circulaire et équatoriale autour de l'équateur à 0 degré donc. During the entry burn, we'll relight three of the Merlin 1D engines on the first stage. That'll start with the center engine, followed shortly after by two of the side engines. Merci World of Arstyle pour ton don de qualité qui nous dit joyeuse Noël en avance UFO. Merci pour tes lives en direct. Ben, merci à vous d'être là et de vous réveiller pour ce lancement SpaceX. Le deuxième étage est en trajectoire nominale. Le premier étage, regardez, l'altitude est en train de baisser. On est maintenant à 88 km d'altitude. Le deuxième étage, lui, continue son accélération. Bientôt 15 000 km/h pour une altitude de 168 km. Le premier étage qui réaccélère, qui tombe vers la Terre, qui vient de passer déjà les 8200 km/h. Voilà, accélération, altitude qui descend. Et on va avoir un rallumage des moteurs.
rallumage des moteurs du premier étage, de trois moteurs pour être précis, sur les neuf. Allumage de trois moteurs Merlin pour ralentir le booster. On est combien ? On est passé de 8000 à 5000 km/h. L'altitude qui continue à diminuer. Coupure des moteurs du premier étage. On est à 5100 km/h. Le deuxième étage est sur une trajectoire nominale. Il vient de passer les 20 000 km/h à 186 km d'altitude. On a perdu la télémétrie du premier étage qui vient de s'arrêter. Voilà, on a récupéré. J'espère qu'on aura les images de l'atterrissage du premier étage qui est maintenant à moins de 10 km d'altitude. Il est toujours supersonique. Voilà, il est transsonique maintenant. Il va avoir une transition de supersonique à subsonique. La coupure du deuxième étage devrait arriver maintenant. Le premier étage rallume ses moteurs pour se poser. Et on a des images. À droite, on est sur le drone. Ouverture des jambes. Alors là, stage one landing confirme le premier étage. Bravo SpaceX vient d'atterrir sur la barge. Just read the instruction. Cinquième vol pour ce booster. B1061 de son petit nom. Donc la mission n'est pas terminée. Le deuxième étage s'est coupé pendant que le premier étage se posait. Maintenant, il va y avoir une phase où le moteur ne va plus pousser. Il sera rallumé à T+28 minutes. Donc il reste 19 minutes avant le rallumage de l'étage. Voilà, on va attendre 19 minutes avant le rallumage de l'étage et tout de suite après, 3 minutes après, on aura le largage de XPE, donc le moteur qui va se rallumer dans 19 minutes pour circulariser son orbite. Actuellement, l'orbite n'est pas circulaire. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur comment mettre en orbite sur Kerbal Space Program, vous savez déjà comment ça fonctionne au moment du rallumage du moteur pour élargir l'orbite et en faire une orbite circulaire autour de l'équateur aujourd'hui à 0 degré. Monsieur Nudisco, salut, quelle est la cadence de production du deuxième étage? Aucune idée, mais ça ne doit pas être très très compliqué a priori. Depuis combien de temps n'ont-ils plus produit de nouveaux premiers étages? Ça fait longtemps qu'ils ne produisent plus de premiers étages. Ils ont 11 boosters et il y en a encore des 9. Là par exemple, ils sont en train de récupérer un booster de Super Heavy. Ils sont en train de le retransformer en étage principal. Donc pour l'instant, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils n'ont pas ressorti un booster des usines, si ce n'est qu'il y en a encore des 9 pour l'instant qui n'ont jamais volé. Donc ils tournent avec leur booster, avec leur pool de boosters. On verra si, je pense qu'ils en reconstruiront s'ils en ont besoin. Bah, je suis pas tout mou. On me dit debout, il faut tuer tout mou. Non, non. Je parle doucement pour ne pas réveiller
les voisins qui vont me tuer au bout d'un moment. Manu Forman qui dit « Peux-tu nous rappeler, s'il te plaît, à quelle altitude sera l'orbite finale du IXPE ?» Alors, il sera sur une orbite terrestre basse équatoriale, comme je l'ai dit, inclinaison orbitale 0 degré, à une altitude de 540 km. Falcon ou Soyuz à la meilleure accélération? Soyuz. Soyuz est plus violente que la Falcon. En tout cas, c'est ce qu'a dit Thomas Pesquet, en ressenti. Il faudrait mesurer la vitesse à laquelle ça accélère au début. Ariane a l'air pas mal quand même sur les images en termes d'accélération. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez loupé le décollage hein, de ce lancement d'un observatoire spatial IXPE conçu pour mesurer la polarisation des rayons X cosmiques à tes souhaits ufotiniques. Le largage va bientôt avoir lieu, on va encore attendre une quinzaine de minutes avant le rallumage du moteur du deuxième étage pour circulariser l'orbite. Et puis après, on aura le déploiement du télescope et on pourra partir se recoucher pour ceux qui peuvent, aller au travail ou à l'école. Dites-moi dans le chat quel est votre plan pour après ce live. Qui part à l'école, qui part au travail et qui part se coucher? Merci Jérôme, énorme merci à Ufotinique, nous avons toutes ces vidéos en commentaire. Français grâce à lui. Merci à toi Jérôme. Tsuki qui part en réunion. Hervé qui part au travail. Muriel Lavigne qui va se recoucher. Liedenfen qui va au travail. Inaki qui a un examen oral en néerlandais. Inaki, bon courage. Petit Dom qui va poser du carrelage. Erratic qui est déjà sur la route du boulot, Fabien Yvon qui va travailler, Michel Guémer, salut Faux, un grand merci pour tes directs, si bien commenté, alors si bien commenté, c'est le matin là, et surtout ton humour qui apporte la touche de qualité. Une question, l'altitude de Max Q est-elle toujours la même? Alors l'altitude de Max Q c'est pas toujours la même, c'est une combinaison entre l'accélération et la densité atmosphérique, donc selon le lanceur, c'est pas la même altitude. Philippe qui télétravaille. Ça, c'est bien, ça. Vimpierre qui va se coucher après une nuit de boulot. Malo qui va au lycée. Nakuromi qui va sous sa couette dormir. Tim Vinou qui part au collège. RMVR46, RemsVR46 qui va au travail. Will qui va au travail. Daniel qui est au travail, Nico aussi au travail depuis 3 heures, Monsieur Nodisco qui va poser ses enfants à l'école avant d'aller au travail, Bénédicte Buet qui part au boulot, Brian Starship qui va se recoucher, Dorian G qui part au travail, Jérôme qui télétravaille bénévole ce matin, bénévole. Whisky Wine qui part faire des courses. Et deuxième petit déjeuner au resto, d'accord. Ça tourne autour de la bouffe, ta vie, Whisky Wine. Yann Romero, formation, optimisation, Java. C'est de l'informatique, il nous précise. On le savait, Yann Romero, on connaît. Java, un langage informatique bien connu. Tu fais du JavaScript? Charles Drolet, c'est ton ou c'est craché le SN11 dans le brouillard? Oula, Charles Drolet qui revient 6 mois en arrière. Est-ce que moi je fais du télétravail? Non, non, je vais au travail après. Mati qui est déjà en route pour le lycée. Val Berthelot qui retourne se coucher.
Mika qui n'a pas dormi entre les deux lives. Daniel qui regarde le live en servant un client. Voilà, tout est possible avec la technologie actuelle, streaming en direct. Vous pouvez regarder Ufotinic en direct tout en travaillant de manière qualitative. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les amis, pour ceux qui vont partir et qui se dépêchent d'aller au travail. Pour ceux qui regarderont en live, en replay aussi. Et allez, encore 15 minutes et la mission est terminée. Le rallumage du deuxième moteur dans 12 minutes. Vous avez le temps de poser des questions. Val qui va faire de la gym. Le plan Isto qui amène sa fille au collège. Brian qui est dans les bouchons. The Mowgli qui part de Bruxelles pour rentrer en France. Gilles Perrault qui n'est ni au travail ni à l'école puisqu'il est à la retraite. Whiskey Wine aussi, nos amis retraités, toujours levés à des heures impossibles. Numa qui travaille depuis son lit. Ça c'est pas mal. Ça manque les lancements Starship. Bah écoute, les lancements Starship, on espère en voir un dès janvier. Est-ce que Philippe demande, est-ce que je ferai le lancement de New Shepard? Oui, oui, on fera le lancement de New Shepard puisque ils ont décalé, merci la météo, ça avait lieu en pleine semaine pendant le boulot, mais ils ont décalé à samedi. Donc oui, on fera le lancement samedi de New Shepard et d'ailleurs... On va pouvoir se reposer un jour puisque demain, il n'y a pas de live. Il y a une fusée chinoise qui décolle, mais il n'y a pas de retransmission en direct. Donc la New Shepard, ce sera samedi. Décollage prévu à 15h45. Donc on prendra le live à 15h15 pour expliquer un petit peu ce qui va se passer. Et les astronautes touristiques, les astro-touristes qui partiront pour ce petit tour au-dessus de la ligne de Kármán. Avant de revenir sur Terre, 10 minutes la durée de la mission en tout. Travail bénévole d'aide sociale par Internet ce matin, nous dit Jérôme. Rocco, qui est à la retraite également et qui va avec un groupe de malvoyants visiter une distillerie. Bon programme. Il va être dans un sacré état, Rocco, ce soir. Eric qui auto-travaille depuis 6h du mat, mais qui peut suivre. Stéphane qui dit, il faut que je réveille ses enfants, Faustine et Auric, debout les enfants, il faut aller à la school. Résultat Kevin, après le live contrôle sur le produit en BTS MCO. Je sais pas ce que c'est MCO. Cyril G qui dépose sa fille en stage, puis boulot. Johnny qui ne travaille pas, accident de travail. Bah, j'espère que ça va quand même. Hein. Foutinique, je t'imagine bien dans un bus faire visiter et commenter le Kennedy Space Center. Je le connais pas, le Kennedy Space Center. Dorian qui dit, je devrais potentiellement être à Boca Chica le jour du lancement de SN20SH si les dates collent. Bah pour l'instant, on n'a pas de date, donc ça dépend quand est-ce que tu y vas. Michel, quel est ton secret pour être toujours de bonne humeur et en forme? Du sport, alimentation, rien. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de sport, les gars, à cause du confinement et la flemme de reprendre. Alimentation détestable, y a pas de légumes. Donc y a rien. Est-ce qu'on a des nouvelles du James Webb Telescope? Bah, toujours prévu pour le 22 décembre. Mais dis ce qu'il dit, je passe la nuit avec toi, je m'endors avec toi, je me réveille avec toi. Ouais, vous êtes nombreux là, vos femmes ou maris vont commencer à me détester. Hein.
Datounet, je te découvre et je trouve ton idée super sympa. Je suivais jusqu'à aujourd'hui en simple curieux un thé auto-initié. Mais que tu es là avec tes explications carrées, je me suis abonné, merci mille fois. Merci, bah merci à toi, Datounet. Bienvenue sur la chaîne de qualité. On est bientôt 45 000, n'oubliez pas les petits abonnements. Penses-tu que Elon Musk va récupérer, demande Astropation, le Roadster Tesla en orbite autour de Mars un jour? Ce serait incroyable. Alors le Roadster, techniquement, il n'est pas en orbite autour de Mars, mais il est en orbite autour du Soleil. Mais comme toutes les voitures créées par l'humanité, on est tous en orbite autour du Soleil. Et donc parfois, il croise effectivement l'orbite de Mars, mais c'est tout à fait improbable qu'il récupère son Roadster un jour. Janvier-février, Dorian nous dit il fera de la pub à Boca Chica. Bon, Dorian, faut qu'on te file une caméra là pour que tu la poses, qu'on puisse avoir des images pendant le avant le décollage, des images de qualité. MCOP, médecine chirurgie obstétrique. Ok. Attends, tu me dis ça, Jérôme, mais il m'a dit qu'il est en BTS commercial. Donc je doute que ce soit de la médecine chirurgie obstétrique. Salut, pour le Starship, tu penses que le premier vol se fera au moment du premier vol du nouvel avion de la NASA, avion majeur? Je pense qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Starship, ce sera quand Elon Musk aura l'autorisation et quand il pourra le faire. C'est-à-dire quand tout le pas de tir sera terminé à 100%. MCO, c'est dans le commerce pour faire manager, nous dit Kevin, voilà. D'où viennent toutes tes connaissances? Demande Tiana. Tu fais quoi comme travail? Mes connaissances, elles viennent de Internet. Donc tout un chacun peut apprendre sur Internet un nombre assez incroyable de trucs. Ça, c'est la magie d'Internet. Aujourd'hui, on a quasiment toutes les réponses sur les Internets. Pas trop la galère pour rentrer dans Genève le matin. Pas depuis. Alors c'est toujours un peu la galère, mais pas depuis le sens où j'habite. J'habite pas en Haute-Savoie, mais dans l'Ain. Et du coup, c'est un peu plus simple que ceux qui viennent de Haute-Savoie, j'ai l'impression. Que penses-tu du coup de pression de Musk sur la faillite possible de SpaceX? Je pense que c'est un coup de pression pour ses employés pour qu'ils bossent à faire des moteurs Raptor pour pouvoir lancer un max de Starship. Il faut pirater les cams de Lab Padre pour qu'elles deviennent des Lab Tinic. On n'a pas besoin de pirater les cams, hein. On peut récupérer les images, mais c'est interdit. Zagone qui est à Agadir au soleil. On est toujours une vue. On nous a remis une vue du deuxième étage. Alors le rallumage devrait pas tarder. On est à 2-3 minutes du rallumage du deuxième étage qui va s'allumer pendant 1 minute hein, précisément et ensuite il va se réteindre, ce qui va permettre de circulariser l'orbite et ensuite il y aura le déploiement du satellite, enfin du satellite, du télescope spatial, de l'observatoire spatial même, IXPE. Merci David DeWolf qui dit apprendre sur Internet c'est une chose, mais communiquer tout cela avec d'autres avec tant de qualité, on appelle cela le talent de qualité. Merci David. Un jour j'arriverai à prononcer ton nom de famille en belge.
Datounet, mille merci de nous aider à comprendre. Je le faisais avec mes propres connaissances, mais avec toi, on ne partage plus dans l'ignorance. On ne patauge plus, pardon. En plus, je te regarde sur un écran 75 pouces. Vous êtes nombreux à me regarder en grand écran, là, avec ma tête de fatigué. Ton avis sur les chaînes concurrentes qui fleurissent sur YouTube. Écoute, alors moi, je suis un très mauvais élève pour mes camarades YouTubeurs, puisque... j'avais déjà dit, mais je consomme pas de contenu spatial. Je vais me faire taper sur les doigts, mais je ne consomme pas de contenu spatial sur YouTube. D'ailleurs, même quand je faisais du théâtre, j'ai jamais foutu les pieds dans un théâtre. J'ai fait 10 ans de théâtre, j'ai dû voir 4 fois une pièce. En fait, j'aime bien faire, et du coup, je regarde d'autres choses en fait, qui n'ont rien à voir avec l'espace. Donc je peux pas donner mon avis sur des chaînes que je regarde pas. Ce serait compliqué. Donc j'étais même pas au courant qu'il y avait des chaînes qui fleurissaient sur YouTube. Philippe Berthe qui dit oui, mais avec la barre de son, les voisins se plaignent au T0. Tu m'étonnes. Ah, ça y est, il y a du réveillage dans l'air. Tout se passe bien pour le vol. Allumage du moteur à T plus 28 minutes et 51 secondes prévues. About 10 or so seconds away from a second ignition of the Merlin vacuum engine that'll carry the second stage and the XB satellite into the final payload deployment. C'est quoi l'espèce de fumée qu'on voit? Alors c'est pour refroidir le moteur avant l'allumage. Coming up shortly. MVAC startup. On voit d'ailleurs la glace qui se forme au niveau de l'échappement. Rallumage du moteur. Donc cet allumage va nous amener à 0 degré d'inclination, c'est-à-dire au niveau de l'équateur. Live views of the Merlin vacuum engine and some photobombs from planet Earth behind it. Et la Terre en fond. Coupure. On voit la trajectoire là pour aller récupérer l'équateur. Orbite. Insertion orbitale nominale 25 377 km/h, une altitude de 600 km tout pile. Le satellite, le laboratoire, l'observatoire spatial IXPE est toujours attaché au deuxième étage et il va être largué dans 3 minutes. Now if you're just joining us, we had an on-time launch at about 1 a.m. Eastern time, followed by successful ascent and stage separation. We successfully recovered our first stage and we've completed 2 second stage burns. And the booster, and actually there's a live shot of the second stage and the XB satellite above planet Earth, currently over Africa. Now the booster that supported the XB launch today successfully landed for the fifth time on our drone ship named Just Read the Instructions. Le premier étage qui a fait son cinquième atterrissage sur la barge Just Read the Instructions. On est actuellement au-dessus de l'Afrique. To increasing the access to space, and we also
had brand new fairing halves on today's mission. We'll be attempting to recover both of those. Et les coiffes qui sont toutes neuves pour ce vol seront aussi récupérées dans l'océan. This mission is the first satellite that's dedicated to measuring the polarization of X-rays coming from high energy objects like black holes and supernova. It's the first NASA Launch Services Program mission that's ever been launched from the Launch Pad 39A, a historic. Donc pour rappel, c'est une mission du programme Explorer de l'Agence spatiale américaine à laquelle contribue également l'Agence spatiale italienne. Visit other planets and to explore our universe. Now the XP satellite does mark also. En tout cas, SpaceX est plus précis que moi dans Kerbal Space Program. Degree inclination orbit above our equator at about 600 kilometers above the Earth's surface. About a minute away from payload deployment. Témoin une minute avant le déploiement. And once we get into payload deployment, the XP satellite will then get to proceed with its 2-year mission. Now, XP is an. Donc ensuite, il y aura une période de mise en route et d'étalonnage de 4 semaines. Puis l'observatoire spatial commencera son travail et puis il est prévu pour une durée de 2 ans. Over the next month, the satellite team will conduct checkouts of the vehicle. They'll extend a boom that holds 3 telescopes on the satellite, and then they'll start observing some of those astrophysical objects. The first one will be a supernova remnant, so the remains of a stellar explosion in the Cassiopeia constellation. It's an object that's about 11,000 light years from planet Earth. And payload separation. Et séparation. So there's confirmation of payload separation. Qui s'éloigne tranquillement du deuxième étage. Hop, déploiement des panneaux solaires. Two-year mission to study some of the most energetic objects in the cosmos. And with that, it's going to end our webcast coverage for today. So we want to give a big thanks to NASA for entrusting us with today's mission. On ne se lasse pas de ces images, le soleil, la Terre et l'observatoire XPE en orbite. Et voilà SpaceX qui met fin à son live. Ah, pour l'instant il reste, c'est bien. On va rester là. Sur ces magnifiques images. Encore un succès pour SpaceX. Ah, regardez, panneaux solaires qui sont déployés totalement cette fois. Et ensuite, le bras télescopique devrait s'ouvrir pour le mât pour se mettre en position de travail. Ah, ils ont été sympas SpaceX, là ils ont resté jusqu'à ce qu'on voit plus le XPE. Ça c'était bien sympathique de la part de SpaceX. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce live. N'oubliez pas de vous abonner, petit pouce avant de partir. On se retrouve samedi pour le décollage d'un vol habité avec la New Shepard de Blue Origin qui ira faire un petit tour au-dessus de la ligne de Kármán, un vol suborbital, donc habité mais suborbital. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Profitez bien de votre journée. N'oubliez pas de vous abonner si je ne l'ai pas dit. Peut-être que je l'ai déjà dit. Et moi, je vous dis donc à samedi pour une prochaine vidéo. Tchuss !